Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Dom Gagnendiaï, Warul Tite, Warul Ragal. Donc Mohamed Salah a été élu ballon d'or du tournoi Coupe du Monde des clubs. Donc Mohamed Ndiokh, le meilleur joueur du tournoi, par donc, la FIFA. Maintenant, nous sommes d'accord, parce que nous sommes Mohamed Salah n'est que le meilleur joueur. Donc c'est pourquoi nous sommes interpellés le match. Moi, j'ai jugé nécessaire de faire une vidéo. Donc Mohamed Salah, voici la justification de la FIFA. FIFA nena accélération, ces accélérations ont posé de nombreux problèmes à ses adversaires contre Monterrey et en demi-finale, donc et en finale aussi face à Flamengo. Donc s'il n'a pas lui-même trouvé le chemin des filets, même si double le but, prestation oui, def nañ ko ballon d'or du tournoi. Donc lolu le FIFA wax. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Mais je vais avoir ses réponses en commentaire. En tout cas, moi je pensais que donc Roberto Firmino méritait mieux le titre de ballon d'or parce qu'il a marqué deux buts très très important face à Monterrey, il a qualifié Liverpool et lors de la finale il a marqué le but victorieux. Donc normalement c'est le ballon d'or naturel ou bien même à la limite Naby Keita. Donc Naby Keita, l'international guinéen, pouvait même remporter le ballon d'or du tournoi parce qu'il a été exceptionnel durant le tournoi. Maintenant pourquoi on dit ça là, ça c'est la grosse question. Moi je vais vous poser, est-ce que vous êtes d'accord, sur quoi la FIFA s'est basée réellement pour donner le ballon d'or à Mohamed Salah? Moi j'ai ses réponses en commentaire. Domo Gaye Ndiaye, Warul Tite, Warul Ragal.